connaissons certainement tous l'histoire de Peter Pan, ce petit garçon explosif qui emmène Wendy et ses frères dans le pays imaginaire et y combat le capitaine Crochet. Mais sait-on qui il est? Pourquoi il est venu dans le monde imaginaire? Pourquoi il est au cœur d'une guerre féroce contre les pirates? Toutes ces questions ne trouvent pas de réponse dans l'histoire originale de James Matthew Barrie. Ce sont à ces questions que Régis Loisel a tenté de répondre au travers de ses rêves pour aboutir à la série d'albums de bande dessinée Peter Pan, aux éditions Vent d'Ouest. L'histoire s'ouvre dans un Londres de 1887, en plein hiver, dans les quartiers pauvres, crasseux et cruels dans lesquels évolue un Peter avec ses yeux d'enfant. C'est un lieu particulièrement sombre, où règne sans ménagement la pauvreté, la misère, les mensonges, la prostitution, la violence. Rien n'est épargné au jeune garçon qui survit à cet environnement du mieux qu'il peut. Face à cette horreur, Peter s'évade comme il le peut grâce à ses rêves d'enfant en écoutant les histoires que lui raconte un vieil homme appelé Kundal qui lui offre un repas dès qu'il en a l'occasion. Cet homme, un ancien médecin, s'est pris d'affection pour le jeune Peter. C'est un des rares adultes qui tente encore de garder ses rêves d'enfant comme il le peut. Il lui apprend ainsi à lire et à écrire. Ce vieil homme permet à Peter de trouver un peu de stabilité qui manque cruellement à sa vie. Cette relation lui permet d'être très apprécié d'une bande de copains, vivant dans un orphelinat, auquel il répète ses magnifiques histoires, mais également celles d'une maman aimante, douce et protectrice, qui permet à ses enfants de rêver et compenser leur manque maternel le temps d'un instant. Cette mère, qu'il prétend être la sienne, n'est en fait qu'un mensonge d'enfant un peu vantard, cachant une vérité bien plus sombre. En effet, son milieu familial est loin d'être joyeux. Son père a abandonné le foyer avant sa naissance, et sa mère est une ancienne prostituée rongée par l'alcool, qui n'a de sentiments que pour sa bouteille et ne semble ressentir aucune affection pour lui. Elle se montre au contraire violente et brutale. Un soir, après une terrible dispute avec cette dernière, Peter se réfugie dans une cabane abandonnée pour reprendre un peu ses esprits. C'est à ce moment que va apparaître Clochette, une petite fée capricieuse, venue d'ailleurs qui va lui permettre de voler et l'embarquer vers le monde imaginaire. Un monde où Peter trouvera refuge pour vivre ses rêves d'enfant et s'éloigner progressivement du monde des adultes jusqu'à le rejeter totalement. Ce qui nous frappe dans cette bande dessinée, c'est tout d'abord le dessin. Les décors fourmillent de détails. Loisel ne dessine pas les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'il les ressent. Et le résultat est criant de vérité. On se retrouve littéralement plongé dans cet univers. Londres est une ville froide, sombre, sinistre, et les gens peuvent se montrer particulièrement durs et impitoyables. On ressent bien que l'époque devait être très difficile à vivre. Il n'y a qu'une fois que l'on est dirigé dans le pays imaginaire que le climat change. Tout devient plus coloré, et on a l'impression de rentrer dans un univers paradisiaque, une sorte d'île du Pacifique où vivent les légendes de nos contes d'enfance, comme les faunes, les fées, les sirènes, tous ces êtres merveilleux qui prennent vie dans les histoires de notre enfance. Les personnages de Loisel se montrent hauts en couleur. Si Clochette est une fée amoureuse prête à tout, le capitaine se montre un personnage sournois, ignoble, et peut tomber dans des accès de colère aussi soudains qu'incontrôlables au point de tuer un homme de son propre équipage dans la foulée. Et malgré cela, on arrive à s'étonner d'éprouver une certaine compassion pour ce personnage, et c'est ce que l'on va ressentir tout au long de cette histoire. Même un personnage qui sera quelqu'un de bon pourra se montrer sous des actes bien moins tolérables. Mais le monde imaginaire est là pour effacer la mémoire de tous avec le temps. Cette bande dessinée nous replonge dans notre enfance et ne fait que renforcer l'histoire originale et permet de donner avec poids une crédibilité à tous les détails qui pouvaient être curieux à nos yeux. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura simplement donné envie de lire cette magnifique bande dessinée. Et si vous l'avez déjà lue, qu'elle vous donnera l'envie de vous replonger dedans à nouveau.
souhaite une bonne lecture à tous.